Bonjour à tous, cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux. Le lien est dans la description. Bonne vidéo. Et bonjour à toi YouTube, bienvenue sur ce nouvel épisode, je sais pas du tout à combien tième on est, 40e, 50e, 100e, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, c'est la fin de la pause du stream, on est toujours le 14 juillet, il est 20h30 et on va se refaire une session de 3h je pense. Jusqu'à 23h30, puis on ira se coucher à 23h30 minutes, ça ira très bien, je pense. Voilà. Donc, on est reparti. Donc, nous étions là, nous étions en train d'attendre les engrenages depuis plusieurs épisodes, à mon avis. C'est plusieurs épisodes que tu entends parler de ces engrenages, je pense. Oui, parce qu'au niveau des du montage, hein, clairement, hein, j'enregistre tout, après je cut en section de 20 minutes, et ça sort comme ça. Hein. Faut pas non plus nous demander grand-chose. Hein. Et du coup, on voulait refaire ces engrenages, parce que je trouve que la production d'engrenages est beaucoup trop lente. Mais le truc, c'est qu'avant de les refaire, il va falloir que je également dégager les séries ici. Les planches ici, il n'y en a plus besoin. Il y a 8 séries ici qui tournent à ce fuck. J'ai plus besoin. Également, je remarque ici, on produit des patates, mais on les cuit pas assez vite. Hein. Je vais refaire une pataterie. Et salut Pumpkin, ça va bien? Tu peux dire bonjour à YouTube, Pumpkin, si tu veux. Voilà, parce qu'on a un petit stock de patates ici, mais on ne l'utilise pas. Or ici, la nourriture, elle baisse. Bah écoute, moi ça va super. C'est YouTube. Ouais, on est toujours sur Timberborn, Pumpkin, vois-tu. On progresse. On progresse même vachement bien, je trouve. On va les laisser finir ce qu'ils sont en train de faire là, et puis après on va refaire toute cette zone. Est-ce que c'est vite ça? Toujours pas. Ouais, c'est le jeu des castors, ouais. Ouais, c'est le jeu des castors, ouais. Soixante-seize engrenages, je pense que ça suffira pour le projet que j'ai. Bah, attends, point d'exclamation YouTube, Pumpkin, teste-le. Allez, on est parti, je pense que la mana, il va falloir tout détruire. Et voilà ce que ça fait. Ouais, c'est nice. Donc les séries, on a dit que ça dégage. Ça, ça dégage. Voilà. J'ai envie de dégager tout le reste aussi. Hein. Ouais, t'as enfin fini ton job étudiant. Gros GG à toi, Pumpkin. Gros GG, gros GG, gros GG. Cinq. On a une route derrière là qu'on pourrait limite exploiter peut-être. Est-ce qu'on exploite la route derrière ou pas? Alors, si j'exploite la route derrière. Ça en ferait 10.
Bon, les éoliennes, etc., je vais les faire au-dessus, ici, là. Clairement. Je vais me débrouiller pour y arriver, etc., etc. Ça m'en fait 10. Ça donnerait ceci. Prends ceci. Ici, donc, il y aurait un escalier. Deuxième escalier ici. Et là, on irait choper les éoliennes. 10, ça donne combien ça? Ça fait 1200 d'énergie. Ah ben GG ça, Pumpkin! Gros GG à toi. On pourrait mettre deux éoliennes ici. Ici, je suis pas fan. Là-bas, c'est mort. Je peux remettre une troisième éolienne ici. Par contre, ici, je pourrais. Donc, ici, si je fais ça avec une haute priorité. Par contre, comment est-ce que j'ai à amener l'électricité là-bas, moi? Attention, Yann. Ça l'aime, papa. Parce que forcément, le raccordement d'électricité devra se faire par là. Si je fais ça comme ça. Or, si je supprime celle-là. Je pourrais faire un raccordement électrique différent. À savoir, une plateforme ici. Ici. Et ça, après, ça n'a plus qu'à tourner là-dedans et ça alimente le tout. Donc là, comme ça me semble être vraiment pas mal. Ben, 40 à 60 engrenages. On a pile ce qu'il faut pour faire ça. Parce qu'après le reste, il n'y a pas besoin d'engrenages. Si, si, si. On a besoin de 62 engrenages. Est-ce qu'on a besoin d'autres engrenages? On en a 69. Donc non, ça passe pile poil ça. Là, vraiment, on passe pile poil. À partir de 23, tu seras absent? Ah, ben non, je sais pas, ça peut me qui. Mais ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool que tu partes en vacances. Je suis bien content pour toi. La sécheresse est terminée. Il me reste de l'eau ici. C'est cool. Ah, moi, je pars au mois d'août. Au mois d'août, je pars, moi. Donc ici, c'est bon.
Je pars à Besançon chez un pote, fêter l'anniversaire d'un copain à Pumki. En Égypte, sympa! Vraiment sympa l'Égypte du coup. Ah ouais, grave. Grave, 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 sympa. On va refaire une usine d'engrenage ici. Il me reste 6 engrenages. Non, il n'est pas gratuit ce jeu, c'est Timberborn, Pumpkin. Mais franchement, si t'emmènes un PC portable avec toi, je te le conseille vivement. Je te le conseille vivement, vivement. Il est vraiment génial. Il est vraiment, vraiment génial. Regarde ça comme il est beau ce jeu. Et là, j'ai tout construit, hein. Ça, c'est moi qui l'ai construit, ça, c'est moi qui l'ai construit, c'est moi qui ai tout fait. En train d'exploiter la ferraille ici, tu vois. Et là, du coup, je suis en train de refaire ma zone ici, là. Le but? Je sais pas ce qu'il y a vraiment un but. En fait, oui, tu as des objectifs à atteindre ici. Il faut arriver à avoir la population qui a le meilleur bien-être possible imaginable. Il te faut survivre également, sachant que t'as l'eau qui est une ressource rare dans ce jeu, d'accord? C'est un peu un jeu écolo, faut dire ce qui est. Oula. Ça, c'est pas bon pour moi, ça. Quoi que je m'en fous, j'ai plus aucune agriculture ici. Vraiment, je m'en fous en fait, j'ai plus aucune agriculture ici. À part les arbres. Donc non, c'est drôlement bien d'avoir déplacé la culture d'ici, d'aller les mettre là, désormais. Non, c'est très très bien ça. Par contre, ce qu'il faut surveiller, c'est ici. Là, ce serait grave s'il n'y avait plus d'eau. Il y en a encore assez, donc ça passe. Ouais, du coup, moi je m'amuse avec ça. Tu vois, mais vraiment, je m'amuse beaucoup, quoi. Ce serait lui à construire en prio, s'il vous plaît. On n'a plus de planches, bien sûr. En vrai, les planches, ça devrait pas poser de problème. Avec l'arrivage qui devrait partir d'ici, là, pour les planches, ça devrait être bon, même. Ah ouais, 28 d'un coup. Kina. Une fois que lui est relié, tout est relié en bas, là, derrière aussi. Voilà, 25 planches, Kina. Voilà, tout est relié. Maintenant, ils peuvent les faire dans l'ordre qu'ils veulent. Ben forcément, s'il n'y a pas de vent aussi, quelle drôle d'idée, hein. On produit 1200 au max, on a 800, il me faudra que je rajoute des éoliennes, mais plus tard, quand on aura d'autres engrenages.
Ouais, ça, tu manques d'eau, toi. Ouais, mais t'inquiète pas, l'eau va arriver là. Ça y est, là, va arriver l'eau. D'ailleurs, ça devrait s'actionner aussi, du coup. On va voir si ça fonctionne, ça. Bon, malheureusement, le vent a repris, mais quand il n'y en avait plus besoin, c'est pas grave. Ça y est, l'eau se remplit. Et du coup, paf, le Ben Boost se remplit aussi. Trop fort. C'est trop fort. Et paf, ça coule ici, c'est cool. Lol. Ça produit plus d'énergie que ça n'en permet, mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est cool. Par contre, oula! Ouais. Comme d'hab ici, hein. Ici, au tout début, là, ça se fait toujours un petit peu inonder, puis après, l'eau se retire gentiment, c'est cool. Ah ouais, 200. Lol. Ça va un peu vite ici quand même, hein. Ça va ralentir. Ça devrait ralentir. Ouais, c'est un jeu qui détend, ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Bon, du coup, il va falloir que j'y mette d'autres éoliennes en haut. J'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. Sachant qu'en face, là aussi, je vais y mettre des. Voilà. On va faire ça comme ça. Voilà, là il y a de quoi faire à tout le monde. Et on va relier tout ça. Voilà. Et là déjà on aura, enfin quand il y aura du vent bien sûr, hein, ça produira. Alors est-ce qu'ils peuvent construire celle-là par contre? Ah non, ils peuvent pas construire celle-là, c'est dommage. Du coup, ce qu'on va faire, c'est ça pour aller construire ça. On n'a plus d'engrenage. Bon, en vrai, les engrenages, ça devrait arriver vite quand même. Voilà, ici, là, comme ça, ils auront la place de pouvoir poser l'engrenage qu'il faut et relier la.
Les éoliennes. Il y a tout, il manque juste à le construire, c'est bon. Et on sera pas trop mal.